Ok, c'est là. Gendarmerie. Ça marche pas droit du tout. Oh la vache. Voilà, j'en étais sûr. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la gendarmerie toujours. Et cette semaine, donc c'est la fête de la musique, donc il y a des concerts un petit peu tous les soirs au bord des plages là. Donc on va essayer de sécuriser tout ça et à veiller à ce que tout se passe bien. Donc on va s'éloigner un petit peu là parce que la musique elle est un peu forte là. Et puis de toute façon, cette zone là elle est sécurisée, il y a un poste de secours, il y a les pompiers, il y a des postes de secours avec des médecins qui sont là. Donc ici, ça a l'air sécurisé. S'il y a un problème, bien évidemment, on reviendra. Mais pour le moment, on va se concentrer, nous, au bord de plage. Là, on va aller un petit peu plus loin. Et on va essayer de... Bah, que ça reste calme. Mais bon. Copy that. Moving right now. 10-4. Vous savez bien que ça reste pas calme. Que ça reste calme pas très longtemps ici. Donc les amis, si vous aimez cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Et surtout, si vous aimez cet épisode, hein, dites-le moi dans les commentaires pour savoir si j'en refais un deuxième ou pas. Allez, c'est parti. Donc là, on va se rendre au bord de la plage. Ça va être notre secteur de patrouille pour cette soirée. Donc pour le moment, il n'y a pas un chat. Les boutiques sont encore ouvertes. Ah si, il y a du monde là-bas, ça y est. Il y a un petit concert là-bas. Donc il y a des concerts un petit peu partout sur l'avenue là. Ok, on va descendre, voir si tout se passe bien. Ok les gars, on descend. Donc aujourd'hui, on est 4. Hein, parce qu'on sait jamais. On est 4 gendarmes à patrouiller ensemble. Parce que là, ça peut vite partir en cacahuète. Ok, donc là il y a un petit concert. D'accord, tout a l'air clean avec le petit vendeur de tacos là à côté. Ok. Ok, ça on prend les gars, on prend. Il y a un collègue qui a activé son panique bouton les gars. Faut qu'on se dépêche un petit peu. Ok, première intervention, ça part. Eh les gars, dépêchez-vous là, dépêchez-vous, montez. Dépêchez-vous là, fais le tour Patrick, fais le tour bordel. On n'a pas le temps là. Il y a la vie des collègues qui est en danger là, ça se trouve. Oula. Ça... Ok. Ok, j'ai repris le contrôle du véhicule. C'est parti, on peut y aller. Donc là, les amis, il y a un collègue de la police ou gendarmerie qui a activé son panique bouton. Donc c'est dire qu'il est en danger. Et c'est où? Ok, c'est là. Gendarmerie là. Oh la vache. Eh, gendarmerie, mets-toi au sol, là, au sol. Mets-toi au sol, toi, au sol, au sol. Ok, tu t'en occupes, Patrick. Il y en a un qui a voulu se barrer, là. Allez, les gars, vous êtes deux. Ok, d'accord, je vais prendre le véhicule, au cas où. Viens avec moi, Maurice. Viens avec moi. Ok, là, celui-là, il a été interpellé, c'est bon. Eh, viens, Maurice, on va essayer de choper l'autre, là. Oh, mince, il y a un poteau. Oh la vache, bon ça commence fort les gars. Ça commence fort. Il est où l'autre? Ok, il s'est fait serrer. Mince, oh bah. Oh là là, n'importe quoi. Oh là là. Ça commence mal. Hein. Ok, c'est Patrick qui l'a interpellé. Bien joué Patrick. Ah, ça c'est du beau boulot. Bah alors monsieur, comme ça on agresse les forces de l'ordre là. Hein? Vous appelez la police nationale, là, vous emmenez. Vous allez terminer votre nuit au commissariat, là. Et vous allez vous expliquer sur vos faits, là, parce que là, votre comportement est inacceptable, monsieur. Bon, que fait la police? La voilà. Elle arrive. J'ai fermé. Attends, je vais t'ouvrir, Patrick. Ah non, c'est bon, c'est ouvert. Ok. De toute façon, la police est là. Ils vont vous emmener, monsieur. Allez. Nous, on y va.
Qu'est-ce qu'ils font là? Ah non, c'est eux. Il y a déjà Brigitte qui est là. Qu'est-ce qu'ils font? Alors attendez, parce qu'ils vont me foncer dedans, je les connais. Ah, c'est la police, ils sont pas très fins. Ok, tu peux l'emmener. On l'a menotté, on l'a fouillé, normalement. Et tu me mets ça au commissariat pour la nuit, là. Ça va lui faire réfléchir à ses actes. Ok, donc on va retourner. On va aller voir là-bas, il y a un petit concert sauvage, là, au bord de la plage. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Oula, il y a un peu de monde, là. Il y a un peu de monde. On va descendre. On va pas les déranger, de toute façon. Vous restez dans la voiture, messieurs? Ah, ok, bon, restez dans le véhicule. J'y vais tout seul, c'est pas très prenant, ça. Bon. Ok, il y a un petit concert, là. Ouais, ok, d'accord. Oula, il y a du monde, là. Bonjour, messieurs, dames, gendarmerie. Ah, je passe pas là-dessous. Ça, il est un peu bas, votre truc, là. Ok. Bon, bah, ça a l'air contrôlé, ça. Il y a une meuf qui fait de la gym, là. Bon. Ok. Il y a un agent de sécu. Parfait. Bon, bah, s'il y a un souci, monsieur, vous nous appelez. On n'est pas loin. Et on débarque, hein. Attendez, parce que là, je vais pas passer là-dessous. Il est un peu bas, votre bazar, là. Faut pas être bien grand pour passer là-dessous. Ok les gars, donc RAS ici. On va continuer tranquillement notre petite patrouille au bord de la plage là. On va éteindre ça. On va patrouiller sur le parking là, voir s'il n'y a pas des carjacking. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Respond code 2. Ah bah attendez, parce que là on a une intervention. Métro, bus, turbulence. Ah! Il y a des turbulences dans le métro, enfin dans l'arrêt de bus. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Un petit groupe de racailles qui essayent de faire les malins, sûrement. On va aller voir, on va aller les calmer direct. Allez, poussez-vous, gendarmerie. Ouais, bah arrête-toi pas au milieu, toi. Il est malin, lui. Alors, c'est pas loin d'ici. On va couper le deux tons pour être un petit peu plus discret. Oh là, oui. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un attroupement. Vous venez les gars? Ouais, c'est bon, vous êtes sortis. Oh là, mais attendez, il y a un gars qui a pris la fuite. Ah ouais, il y a un gars qui a pris la fuite là-bas. Ok, d'accord, ok. Ok, on y va les gars, on y va. Bougez pas, messieurs, dames. Je reviens vers vous tout de suite. Je vais interpeller le suspect. Allez, messieurs, dames, montez, là, vite. Ah, qu'est-ce qu'il a? Ah, il l'a vu. Non? Ah bah, il n'y a plus de place, on est au complet, mince. Bah, tu vas devoir terminer ta course à pied, toi. Ok, il est par là. Poussez-vous, poussez-vous. Ouh là là, pousse-toi, toi. Oh la vache. Ok. On a deux individus qui essayent de prendre la fuite. À mon avis, ils n'ont pas payé le bus. Ok, ils ont fait demi-tour. Ah non, c'est qu'il veut se battre. Ok, d'accord. Alors attendez, je vais prendre le taser. Madame, mettez-vous au sol, là. Au sol, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, mettez-vous au sol, là. Elle est où, l'autre? Elle a pris la fuite. Tu t'en occupes, Patrick, je vais interpeller l'autre demoiselle, là. Madame, c'est la gendarmerie, n'ayez pas peur. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, madame. Arrêtez-vous, je vous dis. Oh, je vais être obligé de vous... Je vais pas vous mettre un coup de taser quand même, oh! Mais venez là, bordel! Oh, elle va se prendre un coup de taser dans le derrière, je le sens. Madame, gendarmerie, arrêtez-vous, la dernière sommation, là! Arrête-toi, oui, arrête-toi, mets-toi au sol, là. Au sol, au sol. Non? Ok, bah... Bonjour, madame, gendarmerie... c'est pas la peine de courir comme ça, hein. Montrez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, là, la red car, là? Alors, je vais faire une petite recherche sur vous. Vous allez me suivre, madame. Alors, attendez.
Hop, vous allez me suivre, s'il vous plaît. On va retourner près de mon collègue, là. Ok, donc tu l'as emmené au commissariat. Il y a une équipe de police qui est venue la chercher. Parfait. Bon, par contre, elle a un train. J'ai peut-être été un peu vite en courant. Ok, donc apparemment... ok, donc madame... Hop là, vous pouvez arrêter de me suivre. Donc on a... Ouais, ok, vous êtes fait agresser par la demoiselle, là. Donc elle était emmenée au commissariat, hein. Donc vous y portez plainte demain matin. Et bah, vous pouvez y aller, hein. Donc faites attention la prochaine fois. Et bonne soirée, madame. Oula, elle est pas très coopérative, celle-là. Bon. Alors, on va continuer notre petite intervention, notre petite patrouille du soir, là. Doucement, Patrick, c'est bon. Monte. Par contre, j'en ai perdu deux. J'ai perdu deux coéquipiers, là. Bon, bah, c'est assez mouvementé, cette fête de la musique, là, 2018. Dis donc, qu'est-ce qu'il... Ah, bah, il est là, lui. Ah, bah, oui. Allez, monte, toi. Je t'avais oublié. Allez, monte. Ok, donc on a reçu un appel là, pour une personne en état d'ébriété sur la plage. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va passer où? On va passer ici. Oula, attention, monsieur. Attention, mais il se fonce dans ma voiture. Il est pas net, lui, ou quoi? Bon. Ok, je la vois, elle est là-bas. De toute façon... J'ai repéré la cible, les gars. Allez, on descend, on sort les tasers parce qu'on sait jamais. Avec les énergumènes qu'on a ici. Oh la vache, ah oui, il marche pas droit du tout. Il marche pas droit du tout. Oh la vache, ouais, voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr, les gars. Oh la vache, ouais, vous avez bien réagi. Hein. Heureusement que vous étiez là, les gars. Là, j'ai un appui en béton, là. Merci pour l'appui, parce que là j'y étais pas du tout, moi. J'étais aux fraises. Là. J'ai pris une balle dans le gilet, je pense. Je pense qu'il m'a touché là. J'ai un impact de balle sur le gilet pare-balle. Ok, j'ai appelé les pompiers. Et voilà, je vous ai dit, ça peut partir à tout moment. Faut être prudent dans toutes les situations. Hein. De nos jours, on peut plus se permettre de s'aventurer comme ça. Sans protection. Ok, monsieur, c'est ici, là. On a un blessé par balle. On a été obligé de l'abattre. Hein. Il avait une arme pointée sur nous. D'ailleurs, je vais la ramasser tout de suite. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Essayez de le réanimer, s'il vous plaît. Parce que là, j'aurais 2-3 questions à lui poser à cet individu, là. Il m'a tiré dessus, quand même. Alors, je vais prévenir la police scientifique tout de suite. Ok, bah mince. Ok, les gars, vous n'y avez pas été de main morte, là. Vous l'avez abattu. Ok, donc on déclare le décès. La police scientifique arrive, de toute façon. On va rester sur les lieux jusqu'à temps qu'elle arrive. Ok, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc on peut y aller. Ok, messieurs, bon bah on va y aller. Hein. Merci encore. Parce que là, on est sur la vie. Reporting a motor vehicle accident in the Spoochie Canals. Allez, on monte et on part pour une dernière intervention, je pense. Parce qu'après, il sera l'heure de rentrer à la maison. Oula, oula, attendez. Une personne qui marche pas droit là-bas. Ok, les gars, vous me suivez là? Ok, suivez-moi. Il y a une personne comme tout à l'heure là qui est complètement bourrée. Donc là, je vais essayer de faire gaffe. Hein. Oula, regardez-le. Mais regardez-le. Il tient pas debout. Alors j'espère qu'il va pas sortir une arme comme... Oh la vache, qu'est-ce qu'il a dans la... Eh, il a un couteau. Monsieur gendarmerie, mettez-vous au sol là, au sol. Oh, gendarmerie, mettez-vous au sol. Mets-toi au sol, dépêche-toi là, dépêche-toi, jette ton couteau. Voilà.
Mets-toi au sol, au sol, au sol. Dépêche-toi. Mets tes mains, voilà. Mets les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos, voilà. Merci. Vous mettez les menottes, monsieur. Qu'est-ce que vous faites à vous trimballer avec un couteau, là? En plus, vous êtes complètement bourré. Là. Allez, hop. Ça, on embarque. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais... Voilà, mets-toi à genoux. Lève-toi. Pardon, excusez-moi. Hop là, je vais te fouiller. Voir si t'as pas quelque chose d'autre de dangereux sur toi, là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui? Ok, bah là, j'ai été prudent, les gars, parce que là... Ok, un couteau, oui, c'est bon. Le couteau, je l'ai enlevé, il est par terre. Donc, monsieur, vous pouvez vous remettre à genoux, là, en attendant la police. Elle va arriver. Allez, hop, voilà. J'ai ramassé le couteau. La police arrive à vous emmener au commissariat, là, pour vous expliquer. Et vous n'allez pas en prendre une petite nuit de dégrisement, là. Plus vous sentez l'alcool à plein nez, ouais. Allez. La police arrive et nous, on va se quitter là-dessus. Bon, bah les amis, c'est la fin de cet épisode. Donc, si vous sortez pour la fête de la musique, hein, n'oubliez pas de faire très attention. Et surtout, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, si vous pouvez éviter de boire, hein, c'est mieux pour tout le monde. Donc, on se laisse là-dessus. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut.